La nuit n'a pas éteint les couleurs d'un soleil. D'un chaque perle d'ombre, c'est encore lui qui chante. Ô source évaporée dans les jardins du ciel, vous qui baignez la terre d'un songe illuminé, pour qui sait regarder du côté des lumières, la nuit n'a pas éteint les couleurs d'un soleil. « Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, si quelqu'un vient à ma suite, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui conduit à la vie. Que la lumière du Dieu de Jésus-Christ nous soit donnée ce matin avec chaleur et tendresse, qu'elle nous éclaire et nous conduise sur les chemins de la vie toujours ouverts devant nous. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation par le chant en prenant le numéro 265 dans le psautier et je vous invite à vous lever. Thank you.
La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour notre culte du matin de ce dimanche. Bienvenue à nos paroissiens, bienvenue à vous qui êtes peut-être ici en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus ce matin. Et une bienvenue aussi très chaleureuse à vous qui ces derniers mois avez vécu un temps difficile, temps de rupture, de deuil, de perte. Nous voulons, à travers ce culte, vous accompagner dans ce deuil et vous donner la possibilité de poser un geste. Allumer tout simplement une bougie, signe de cette présence aimante de Dieu au cœur même de nos ténèbres. Alors, bienvenue à chacune et chacun, et nous entrons maintenant dans ce culte en nous recueillant dans la prière. C'est Marianne qui nous conduit dans la prière. Dans le psaume 34, disons, le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toute leur angoisse, il les délivre. Le Seigneur est près des cœurs brisés et il sauve les esprits abattus. Prions. Ténèbres, la maladie et la souffrance. Ténèbres, la vieillesse et la solitude. Ténèbres, l'angoisse et la déprime. Ténèbres et enfermement, la mort et le deuil. Il y a des jours où toute la vie ressemble à ce vendredi de la croix. La lumière a disparu, l'injustice a gagné et la mort semble l'emporter. Mais voici que tu me rappelles, Seigneur, que les ténèbres ne sont pas pour toujours, elles ne durent qu'un temps. Tu ne m'as pas abandonné face au mur de la mort. C'est au milieu de l'épreuve que tu es le plus proche, même si je t'ai perdu. Tu es avec moi pour traverser les ténèbres et pour ouvrir devant moi un chemin de vie. Amen. Et nous vous invitons à prolonger cette prière de louange en disant ensemble le psaume 121, qui sera le cœur de la prédication de ce matin. Vous le retrouvez au numéro 203 du psautier. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ton âme. Le Seigneur te gardera du départ à l'arrivée, dès maintenant et à toujours. Amen. Oui, nous souhaitons, à travers ce culte, vous entourer tout particulièrement. Vous, les familles que nous avons accompagnées durant l'année écoulée, et faire mémoire des personnes décédées. Mais vous aussi, toutes celles et ceux qui, dans la communauté, traversaient d'autres deuils, d'autres pertes, que ce soit dans le domaine de la santé, du travail, de la situation familiale ou personnelle. Ce moment nous semble important et pertinent, car il permet de marquer pour chacune et chacun une étape signifiante dans le processus du deuil et qu'il donne à l'Église l'occasion d'offrir un lieu et un accompagnement pour vivre cette étape de façon communautaire au cours d'un culte. Nous avons donc envoyé une invitation
à ce culte aux familles que nous avons accompagné ces 15 derniers mois. Nous allons dans un premier temps évoquer le nom des personnes décédées en invitant les membres de leur famille ou amis qui sont parmi nous à se lever et à venir allumer une bougie qui se trouve sur la table. Dans un deuxième temps, nous vous offrirons, à vous tous qui le souhaitez, la possibilité de venir vous aussi allumer une bougie en signe d'espérance dans le deuil que vous pouvez traverser. Mais commençons par nous recueillir dans le chant en chantant le répond de Thésée que vous trouvez sur le feuillet « Dans nos obscurités » que nous chanterons trois fois après l'introduction de Didier. Nous allons donc, dans quelques instants, évoquer le nom des personnes qui nous ont quittés ces derniers mois et, comme je le disais, à l'évocation de chaque nom, celles et ceux qui le souhaitent, il peut y avoir plusieurs personnes, par famille ou amis, pourront venir s'avancer vers la table de communion et allumer une ou plusieurs bougies. Cette lumière sera simplement le signe de la présence du Christ, lumière du monde, dans nos situations de deuil, de perte, de ténèbres. Un signe qui n'a rien de magique, mais qui appelle comme une prière de confiance cette lumière du Christ sur nos vies. Si une famille n'est pas représentée ce matin, nous allumerons pour elle une bougie. Et si une famille avait été oubliée dans notre liste que nous avons essayé de préparer avec le plus grand soin, vous aurez l'occasion de venir tout à l'heure, vous aussi, allumer une bougie. Nous allons donc maintenant évoquer les noms de ces personnes qui nous ont quittés. Et à l'évocation de chaque nom, j'invite leurs parents ou amis qui le souhaitent à s'avancer pour allumer une bougie. Lise Berthoux. Huguette Pistoletti. Monsieur Dominique Bengener. Jacques Widmer. Josiane Reck. Jacqueline Widmer. Raymond Manta.
Anne-Gabrielle de Haller. Raymonde Pfund. Daniel Rebsamen. Eric May. Vermeaux. Lucette Strubin. Marcel Épard. Rémi Eberhardt. Marcel Brand. Liliane Bösch. Ingrid Muntener. Fabienne Haug. Monsieur Jorma Pojola. Guy Solna. Mariella Monoir. Jean-Martin Tchapchet. Karine Reipold. Roland Baïs. Eliane Pache.
Elisabeth Samba. Proposons maintenant de prolonger ce geste vécu par les familles en deuil en vous invitant, chacune et chacun, si vous le souhaitez, à invoquer la lumière, la présence de Dieu sur d'autres deuils que vous vivez. Autant de situations que vous aimeriez maintenant déposer tout simplement devant Dieu. C'est le même geste tout simple d'une bougie allumée sur la table de communion que vous pouvez faire maintenant, pendant que la musique nous accompagne.
va, les yeux rivés sur les cailloux de l'habitude, de la solitude. On se laisse prendre par la pesanteur qui habite le malheur. Mais la grâce serait de se laisser surprendre, d'entendre que la vie s'y prend autrement. Elle roule de côté la lourdeur, l'épaisseur que l'on croyait invincible. Elle dit de ne pas rester sur le seuil, mais de marcher au fond du deuil. C'est là que veille la très matinale parole qui découle le chagrin et tourne vers demain. Amen. Notre première lecture est tirée de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Les versets sont les versets de 7 à 10. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Et nous poursuivons nos lectures avec cet extrait du discours d'adieu de Christ en Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé pour le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Peut-être vous est-il arrivé de faire ce cauchemar, on court pour tenter de fuir et on se retrouve dans une impasse. Comment faire pour s'en sortir? Ou alors on se retrouve dans une pièce obscure, tout autour de nous n'est que ténèbres, on n'y voit plus rien, on essaye de trouver la porte pour sortir, une poignée. On tâtonne sans trouver la sortie. C'est souvent, heureusement, à ce moment-là qu'on finit par se réveiller. Mais parfois, hélas, ce n'est pas un cauchemar. Et la vie semble nous conduire effectivement dans des impasses. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et nous ne savons pas comment poursuivre notre route. C'est l'expérience que fait le peuple hébreu dans le désert. Ce peuple qui fuit Pharaon,
tout heureux de se retrouver enfin libre après ces décennies d'esclavage, va vivre une expérience proche de celle des cauchemars, prise au piège entre un impossible retour en arrière et un chemin sans issue vers l'avant. L'Égypte, c'était la terre, vous le savez, de toutes les misères, de toutes les souffrances, un lieu sans vie, sans avenir. Et vient enfin, avec Moïse, cette libération et l'exode, source de tant d'espoir. Mais voilà, ils avaient cru pouvoir passer, espérer trouver une issue, un chemin, et ils se retrouvent dans une impasse, prise au piège, par la mer d'abord, puis dans le désert. L'angoisse est à son comble, et certains viennent même à regretter l'Égypte et ses misères à ce chemin sans issue, parce que sans avenir. Notre vie, et c'est une banalité de le dire, est marquée par de nombreuses étapes, par des temps de passage. Il y a un temps pour tout, disait déjà l'Ecclésiaste dans sa sagesse. Il y a des avant et des après. Avant l'entrée dans la vie active et après. Avant la retraite et après. Avant le mariage et après. Autant d'étapes de passage marquants qui peuvent se vivre, du reste, plus ou moins bien, plus ou moins facilement ou difficilement. Parfois, on prend même conscience qu'un passage ne se déroule pas comme on l'espérait. On réalise parfois que l'on s'égare, que l'on est sur des chemins de traverse. Il est alors parfois possible, sinon de revenir en arrière, car on ne peut jamais vraiment revenir en arrière, mais on peut changer d'orientation. On parle d'orientation professionnelle ou de recommencer autrement une relation, de demander pardon et reconstruire. Mais hélas, parfois, tel le peuple devant la mer qui se sent prise au piège, l'avenir est sans issue. Cela peut être le cas lors d'échecs conjugaux, lorsque l'on se trouve dans une impasse. Ce peut être également notre situation professionnelle qui semble sans avenir ou notre situation personnelle quand la maladie nous frappe. Comment s'en sortir? Par où passer? Y a-t-il un sens à chercher? Et la mort, par excellence, manifeste l'expérience d'un impossible retour en arrière. Il y a là, plus que partout ailleurs, un avant et un après. La mort est irrémédiable, implacable. On ne négocie pas avec la mort et elle ne laisse jamais indemne. Même lorsqu'elle survient, parfois, dans des circonstances plus ou moins paisibles et dans le cours normal des générations. On aimerait toujours pouvoir, ne serait-ce qu'un instant, revenir en arrière. Ah, si seulement j'avais encore pu dire. Ah, si seulement on avait encore pu faire cela ou agir autrement. Et la mort est maligne, car elle attise toujours ses sentiments par le mur infranchissable qu'elle dresse devant nous. La mort est rupture. Et la situation d'avant ne reviendra plus. Rien ne sert de l'espérer, rien ne sert de se lamenter. Il y avait un avant, il y a un douloureux présent, car toujours la mort nous laisse amputés, blessés, perdus, troublés. Se peut-il qu'il y ait malgré tout un après? Comment se remettre en route face à cette impasse? Comment reprendre le chemin? Par où passer lorsque la mort semble avoir bouché l'avenir? Le peuple, coincé entre un impossible retour et un inimaginable avenir, n'a d'autre choix que d'en appeler au Seigneur, un peu à l'image du psalmiste qui, avant de se mettre en route, en appelle au Seigneur. Ils crièrent vers le Seigneur et le Seigneur entendit leurs cris, leur désespoir, alors qu'aucun chemin humainement envisageable n'apparaissait, le Seigneur ouvre devant eux une brèche, un passage,
l'avenir de nouveau possible. Je lève les yeux vers les montagnes. Dieu se révèle une fois pour toutes comme celui, le seul, qui est capable de transformer l'impasse en passage. Dieu comme celui qui ouvre le chemin à travers tous les obstacles. C'est le sens même de la fête de Pâques, Pessah en hébreu, veut dire le passage, et célèbre le souvenir de ce passage à travers la mer, fête du passage à travers la mer avec Moïse, passage à travers la mort avec le Christ. Dans ce beau chapitre de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14 que nous avons relu, on voit que le Christ commence à prendre congé de ses disciples, mais ceux-ci peinent à comprendre ce que le Seigneur leur explique. Jésus leur dit que là où il va, ils seront bientôt une foi eux aussi. Mais Thomas lui répond qu'ils ne savent même pas où il va, alors comment pourrait-il en connaître le chemin ? Et Jésus de lui répondre, « Je suis le chemin. » Et j'aime personnellement cette image du Seigneur, non pas comme le but, l'horizon, l'idéal à rechercher, mais comme le chemin. La foi devient alors une invitation à vivre sa vie comme un cheminement, comme un chemin qui s'ouvre devant nous, ou plutôt à comprendre Dieu comme celui qui nous aide toujours à laisser devant nous un chemin ouvert, même lorsque la vie semble se refermer sur nous. Constamment, la vie est menacée. Constamment, on risque, par nos erreurs ou par la rudesse des événements, de mener notre vie ou d'être mené, bien malgré nous, dans des impasses. Jésus se présente alors comme le chemin. Il dit aussi, dans un chapitre précédent, « Je suis la porte, porte ouverte sur la vie. » Et ce n'est qu'au matin de Pâques que les disciples vont vraiment comprendre ce que Jésus avait voulu leur signifier par ces images. Il est le chemin. J'aime cette expression et je ne la comprends pas comme une exclusive, comme s'il voulait dire qu'il est absolument le seul chemin possible. L'insistance pour moi n'est pas sur le, mais sur le mot chemin. Jésus se présente à nous comme un chemin, comme une voie. Et du reste, les premiers chrétiens ne s'y étaient pas trompés puisqu'ils décrivaient le premier mouvement, la première église chrétienne, comme la voie. C'était le nom que l'on donnait au christianisme naissant. Le chemin, c'est ce qui nous permet d'avancer, même si on ne sait pas où va ce chemin. On le sait bien lorsqu'on est un peu égaré, s'il y a un chemin, si on découvre un chemin, c'est que d'autres avant nous sont passés par là. Comme Dieu a ouvert une brèche à travers la mer, Jésus ouvre une brèche à travers toutes les impasses de la vie, même celle de la mort. Le tombeau, cul-de-sac, impasse par excellence, devient au matin de Pâques chemin possible, porte ouverte. Faire son deuil, lorsque nous sommes confrontés à la mort d'un être aimé, c'est croire, espérer que la personne défunte vit dans la paix de Dieu, parce que la mort a été crevée et que le chemin de vie que Dieu ne cesse d'ouvrir devant nous ne s'arrête pas à la mort. Mais faire son deuil, c'est encore croire que Dieu ouvre devant nous, les vivants, un passage, un chemin de sens pour nous conduire à la vie malgré la tristesse et malgré la mort. Croire à la résurrection, c'est croire, bien sûr, à la victoire de Jésus sur la mort au matin de Pâques. C'est croire que notre vie ne s'arrête pas à la mort, car mystérieusement, Dieu continuera de nous aimer dans cet au-delà. Je ne peux pas croire, simplement parce que mon cœur s'arrête de battre, que Dieu cessera de m'aimer. C'est absurde.
Mais croire à la résurrection, c'est encore plus que cela encore. C'est croire qu'aujourd'hui, Dieu est force de relèvement pour nous les vivants qui sommes arrêtés dans notre vie. Il nous ressuscite à la vie et ouvre devant nous un chemin, malgré la dureté, le caractère implacable de la mort qui fait si mal. Cette espérance ne veut pas pour autant gommer la difficulté, on le comprend bien, de la vie et du deuil. Regardez du reste le peuple qui a traversé la mer. Il n'est pas arrivé de suite en terre promise où coule le lait et le miel. Il y a eu d'abord cette longue, très longue, trop longue, traversée du désert. 40 ans. Ça n'a pas dû être drôle tous les jours. Mais tous les jours, l'espoir était possible, car Dieu ouvrait le chemin. Alors, que ce soit par la cruelle expérience de la mort d'un proche, ou tout simplement parce que la vie est difficile, et nous réserve bien des deuils, des échecs, des désillusions à affronter, des moments où l'on perd espoir. Nous ne savons plus par où passer, comment faire pour avancer, comment trouver un sens à ce qui nous arrive. Et la foi n'arrive pas alors là comme Zorro pour nous sauver ou nous faire croire que l'on peut tout recommencer, vous savez, un peu comme ces ardoises magiques qu'on avait quand on était enfant, puis on dessinait dessus, puis on faisait tchac-tchac, puis tout s'effaçait. La foi n'arrive pas pour nous non plus pour nous faire croire que tout sera facile. Il n'y aurait qu'à croire. Ou pire, il n'y aurait qu'à mieux croire pour que tout aille mieux. Ce serait là un bien vilain mensonge. Paul le dit dans ce magnifique passage de la deuxième lettre aux Corinthiens, ce trésor, cette foi, cette espérance, nous le portons dans des vases d'argile. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps, c'est-à-dire dans notre vie, dans notre fragilité, dans nos ébranlements. La foi n'arrive pas pour nous faire croire qu'on pourra échapper aux vicissitudes de la vie et encore moins à la mort. Mais la foi arrive comme une espérance têtue, pour ouvrir devant nous une brèche. Je lève les yeux vers le Seigneur, vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Il me vient du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. Celui qui à chaque étape de notre vie se veut se montrer, se présenter comme ce chemin possible. Il ouvre devant nous une brèche. Alors oui, si dans la nature, la frêle goutte d'eau est capable de finir par traverser les roches les plus dures. Et si la fragile petite fleur est à même parfois de faire craquer le béton le plus dur pour pousser, alors oui, je le crois. L'amour de Dieu, à plus forte raison, est capable d'ouvrir devant nous un passage, même lorsque tout avenir semble bouché, même lorsque le présent fait mal, et qu'il ne semble plus n'y avoir comme horizon qu'un passé impossible à reconquérir. Dieu est celui qui nous permet de croire, toujours et malgré tout, à un avenir possible et à un chemin de vie présent. Amen. Thank you.
Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons à sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les humains. Amen. Seigneur, toi qui as vaincu la mort et qui insuffle ta vie au monde, nous te rendons grâce d'avoir accueilli dans ta lumière ceux qui se sont endormis et de leur avoir donné ta paix là où il n'y a plus ni souffrance, ni peine, ni tristesse. Sois près de tous qui, accablés par le deuil, désirent t'appuiser de nouveau la force pour affronter la vie de tous les jours, qu'ils retrouvent le sens et l'orientation en ton amour. Devant toi, nous pensons à tous ceux qui sont victimes de l'injustice des humains, de la violence, de l'oppression, et nous te remettons toutes ces familles qui cherchent à survivre dans des camps de réfugiés, des bidonvilles, qui sont sans abri. Nous te confions aussi toutes les personnes qui sont en grande souffrance, blessées, désorientées, anéanties par les guerres et la famine. Ô Seigneur, remplis notre cœur de ta paix et apaise les troubles qui nous habitent pour que nous devenions auprès de toutes ces personnes des témoins de ta miséricorde et de ta victoire sur toute mort. Nous te confions également nos malades, tous ceux qui nous sont chers et tous ceux que nous ne comprenons pas. Nous les nommons maintenant devant toi. Dieu vivant, fais-nous dès maintenant ressusciter à une vie nouvelle par le pouvoir de ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, nous nous adressons à toi avec la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons bientôt au terme de notre culte de ce matin. Quelques annonces pour vous dire que ce soir, nous aurons le culte à la chapelle à 20h30 avec la Sainte-Cène que j'aurai le plaisir de présider. Ce mercredi à 10h, il y aura à Malagnou le traditionnel café contact. Vous êtes tous les bienvenus pour ce sympathique moment de partage. Vous avez à la sortie toutes les informations que vous pouvez avoir besoin de rechercher, que ce soit la feuille d'information mensuelle ou le journal de paroisse ou même la prédication de ce matin. Tous ces documents sont à votre disposition à la sortie. Si vous ne
recevez pas régulièrement les informations de la paroisse, eh bien, n'hésitez pas à les demander. Vous avez déjà quelques rendez-vous qui sont notés dans le feuillet de ce matin, notamment la célébration écuménique qui aura lieu dimanche prochain à 18h à la cathédrale Saint-Pierre. J'aimerais remercier évidemment très chaleureusement les musiciens d'aujourd'hui qui nous ont vraiment conduits dans la prière par leur magnifique musique. Vous pouvez bien sûr récupérer une ou deux bougies ou celles que vous voulez. Je ne suis pas sûr que vous retrouverez exactement celles que vous avez allumées, mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à repartir avec la bougie pour que cette lumière continue d'éclairer votre foyer à la maison. Tout à l'heure, nous nous retrouverons dans le foyer pour un après-culte. Ce sera l'occasion, évidemment, de partager, d'échanger et de vivre ce moment tout à fait sympathique. Nous allons maintenant chanter notre dernier cantique, c'est le cantique 405, et c'est pendant ce cantique que l'offrande pour la vie de la communauté est recueillie. Les paroles d'envoi, je les tire de la poétesse Alice Villard, des paroles qui redisent notre confiance dans un amour qui nous dépasse quoi qu'il arrive. Moi, je crois à l'amour, à cet amour qui dit après la nuit le jour, même quand tout serait mort, qu'il ne resterait rien, ni du mal ni du bien, à cet amour, je sais, que je crois encore. Que cet amour que nous croyons venu de Dieu nous éclaire et nous guide. Oui, que la lumière de Dieu qui perce toutes les ténèbres nous guide aujourd'hui et à jamais. Et que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous bénissent et nous gardent. Allons dans sa paix. Amen. Et je vous invite à reprendre place pour entendre le dernier morceau de musique.